Salut tout le monde, c'est Bonacœur, tu es bienvenue pour ce nouvel épisode de Let's Play Harry Potter. Année 5 à 7, je ne retrouvais plus mes mots, c'est pas grave. Ouh, c'est vrai, le son est à fond sur ce jeu. Je l'avais oublié, j'ai juste eu le temps de m'exploser les tympans. C'est génial. Donc oui, nous nous retrouvons sur ce magnifique jeu, hein, où on s'est fait expulser... du ministère de la magie parce que bah on a foutu un peu de bordel hein, c'est tout à fait normal. Et qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Ah d'accord, c'est un téléporteur vers le nouveau niveau, d'accord. C'est spécial hein, mais bon c'est pas grave. Moi je pensais que j'allais aller à je sais pas, à Westminster Palace, du genre. D'accord, ça veut dire non, merci. Ah oui, c'est vrai, on va là. Moi, je pensais qu'on allait voir Xenophilius. Qu'est-ce que c'est? Ah, il est con. Non, sérieusement. Je n'ai pas compris cette scène. C'est pourquoi qu'il a fait un bonhomme de neige? Il est con ou quoi? Là-bas, dans le cimetière. Bonjour, je suis Harry Potter et je suis bipolaire. Bonjour Harry. Donc on va tout activer parce qu'évidemment j'ai quitté le jeu donc tout s'est désactivé. Ah, il faut que j'y pense hein, parce que sinon il se fait pas tout seul ce con. Oh, il faut une boîte Wesley. Enfin, il nous faut un Wesley. Juste au moment où notre Wesley est parti. Si ça c'est pas une jolie coïncidence. Oh, les gens sont morts. C'est triste hein. Tellement. Pardon, excusez-moi. Qu'est-ce que c'est? Ah d'accord, ok. Je suis en train de massacrer les tombes, c'est pas grave. Hein? Qu'est-ce qu'il faut, Hermione? Ah d'accord. J'ai oublié ce qu'ils font parce que j'ai oublié dans le film ou dans le livre ce qu'ils sont censés faire. Je sais qu'ils sont censés trouver une tombe, je sais plus de quoi. Ah oui, ils sont censés pas garder. Une tombe où il y a un symbole bizarre, genre le symbole des reliques de la mort. Genre la canne d'invisibilité, la baguette de Sauron et la pierre philosophale, il me semble. Aïe. Putain, ce feu est magnifique, hein. Next Gen Graphics, BH. Évidemment, Hermione va voir ce qu'il y a marqué dessus, hein. Évidemment. Parce que c'est une sorcière, hein, tout le monde le sait. Je crée la vie. Bonjour, ben au revoir, hein, c'est j'espère que tu vas mourir de faim bientôt. C'est pas grave. Putain, mais comment est-ce qu'il s'est retrouvé là? Tu me dirais là, c'est logique, en fait, c'est peut-être un mange-mort qui est vraiment un bâtard et qui l'a enfermé ici. Même si moi, en tant que mange-mort, je le tuerai plus que je le laisserai mourir de faim. Parce que je pense pas que les Legos puissent mourir de faim, mais c'est pas grave. Évidemment, je vais tout faire. Ça va être aucun pour cela. Hein? Ça va être le putain de dernier. Parce que nous sommes dans un jeu vidéo. Biatch. Et donc? Et donc? À quoi servait ceci? Oh oui, le sel, ça fait disparaître la neige, c'est génial. Fuck la physique. On va faire un faux espoir, la sale fille. Je fleuris des fleurs, non pas en respect des âmes perdues, mais juste parce qu'en fait, je gagne des trucs si je fais ça. Ah, évidemment, c'est la dernière, n'est-ce pas? Parce que c'est pas possible que ce soit la tombe juste à côté d'entrée, c'est pas possible. C'est juste pas possible, hein. Dans un univers jeu vidéo ludique, c'est pas possible. Le symbole des trois reliques de la mort. Oh là là. Putain, le symbole gros qui prend toute une page. Hein? Harry, où es-tu? Mes parents sont décédés, oui. Il y a eu un écran vert, c'est super, on va faire. Bonjour, je suis le Spoil. D'accord.
Oui, suivons la vieille dame qui vient de se glisser derrière nous et de qui marche bizarrement, très bizarrement. Alors là, en fait, on dirait juste qu'elle a fumé, en fait. Tous les pétards du monde. Adrien ! Pardon. D'accord, je ne sais pas ce que ça faisait dans l'armoire à vaisselle, mais il y a un tapis à TARDIS. Il y a un tapis à TARDIS. Aquaman qui... Ouais, j'adore ce sort. J'adore ce sortilège. Pourquoi est-ce que je suis en train d'éteindre le feu? J'en sais rien. Je le fais, c'est tout. C'est un joli go, pose pas de questions, bâtard. Eh ben putain, il était temps de faire le ménage. Ah, le dentine mamie. Ça alors, je me demandais où ce qui était passé. Là-bas, c'est la bonne ambiance. Mange les livres, espèce de sataniste de pas de gré. Je ne sais pas ce que je suis en train de dire. D'accord. Merci, au revoir. D'accord. C'était génial. Hein? Oh putain! Ça fait penser à Insidious, tout ça. Entre le poulet et les fleurs, je préfère le poulet. Oh mon dieu. Vous êtes prêts? On va défoncer Nagané. Je vais défoncer Nagané. Raté Nagané. Ok, ça va être un boss battle super intéressant, vous allez voir. Frappe-le 3 fois, comme tous les jeux vidéo le Nintendo. Nintendo, prends-toi ça dans la gueule. Pardon. Oh, c'est comme le troll dans Harry Potter. Bing. Ah d'accord, je lui ai fait bouffer, d'accord. Ah mais oui. Ah mais c'est n'importe quoi. Ah mais oui, tout à fait. Fuck la logique. Je lui fais bouffer le truc et ensuite je fais léviter le truc qui est à l'intérieur de Nagané. Et ensuite, c'est je l'envoie valser. Ce n'est pas très logique, hein, je tiens à le préciser. Prends du gâteau. Ah d'accord. Tiens, ça vous fait un chapeau. Ok, vas-y, je t'en prie. Je construis devant ta gueule, hein, tu me permets? Merci beaucoup. Non, chuchute. Ah, je vais te casser la gueule. Et... souriez. Je t'ai défoncé. Répulso, je ne sais plus. Je répulse. Aïe. Je vais décéder, hein. Je tiens à préciser. Bleh. Je suis décédé. Évidemment. Et Hermione mourut à cause du poison de Nagané. Raté. Zaligo. Vœu de cadavre. Non, ça marche pas. Ah, tant pis. Mange une lampe. Ça fait réfléchir. Ah, je croyais que ça allait finir. Ah voilà. Oh, bah oui, vas-y. Au revoir. Hein. En même temps, je pense pas que manger une lampe, un ours en peluche et un truc bizarre, ce soit très très bon pour la santé. Avada Kedavra. Ah, il a cassé sa baguette. Ça me rappelle un truc. Ah ok. Vous pouvez pas faire ça plus tôt, non? Ouais, niveau terminé. Hermione a lancé un Avada. Ce n'est pas un Avada Kedavra, c'est pas pareil, c'est pas interdit par la loi. Puis ensuite ils sont TP. Slash TP Ron. Oulala, attends, t'as la pompée. Bonjour. Qu'est-ce qu'on fait dans la neige? On n'en sait rien, on a pris Ron avec nous. Hein. On a enlevé la tente. Ron était coincé à l'intérieur. Il est peut-être mort, mais on n'en sait rien. On a quand même déplacé la tente.
Oh, mais il y a des trucs à faire dans le hub. Ça alors, comme c'est original. Il y a des arbres à détruire. Fuck l'écologie. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Comme... Oh, Hermione, t'as beaucoup de trucs inutiles. Norbert! Qu'est-ce que tu fais là? Norbert! Défonce Olaf! Norbert! Ils ont tué Norbert! Olaf a tué Norbert! Merci! Ron, vêtements d'hiver, c'est trop fashion! C'est trop fashion! Pardon? Ah bah oui, évidemment! Évidemment! Oui, oui, je te suis, Bambi! Avada Kedavra! Avada Kedavra! Pardon? Tu reviens là? Tu reviens là? Je sais pas ce que j'ai fait, mais... Ok. Ok. Il se passe des trucs bizarres. Toi, toi. Yippou. Putain, on les massacre ces bâtards. Mais décède. Cherche pas. Cherche pas, toi, tu vas te faire défoncer. Il y a plein de trucs là, ça lag. Pourquoi ça lag? Pourquoi le jeu lag? Le jeu, tu ne bouffes pas beaucoup d'énergie. Pourquoi lagues-tu? Non, excusez-moi. Ok, pas de problème. Ron se demande pourquoi ça s'est foiré. Ron se demande pourquoi est-ce qu'il est con. Bambi, attends! Évidemment, voilà, il y en a un qui va se le prendre. Parce que voilà. Vas-y, Harry, saute dans l'eau glacée. Ah, d'accord, Hermione s'est fait assommer en fait. D'accord, j'avais pas compris. Je pensais que c'était juste un truc à la con, genre. Ah, elle s'est pris le brunch. Le brunch. Ah ah! D'accord. Donc avec ça, on devait comprendre que l'épée a été imprégnée du sang du basilic. Je pense. Je crois que c'est ça qu'il fallait comprendre. Ok, cette scène est bizarre. Fermez les yeux, les enfants. Fermez les yeux. C'est trop... Ah, d'accord. Ah, d'accord, il fallait faire un niveau... Non, en fait, j'avais pas compris pourquoi est-ce qu'il se foutait à poil, lui aussi. Mais pourquoi? Non, en fait, il faut faire le même niveau que dans Harry Potter 4, là. Niveau à la con là, l'épisode l'épreuve numéro 2 là. Oh, c'est le retour de la pieuvre. Non? Si si. Enfin c'est plus un poulpe vu d'ici, mais bon c'est pas grave. Oui oui, c'est un poulpe. Ah, il est mort. Oups, je sais pas comment il s'est retrouvé ici hein. Ah oui, c'est de la glace, j'avais pas vu. Je suis la lenteur. C'est fini. Il s'est passé un truc, mais je ne sais pas quoi. Probablement, vous êtes devenu un véritable sorcier. Je pense. Excusez-moi, oui, pardon. Il faut connaître la magie noire pour utiliser les objets magie noire. Merci Dumbledore. Excusez-moi, je crois que je perds de ma santé mentale. Lentement mais sûrement. Vas-y Ron, vas-y. Pardon, il fallait que je le fasse. Je suis désolé. Moi je suis sûr que lui il me fera pas chier parce que... Ah bah non, il ne fait pas tout seul, il faut que je le fasse. Hein. J'ai sauvé un crabe. Ils sont très gros les crabes hein, c'est trop fort. Et puis surtout, ce lac est très grand. Hein. C'est... Je ne savais pas qu'il y avait un système souterrain sous le lac. C'est très très intéressant. Petit géno... Ah putain, c'est comme les poules. Ils savent pas qu'ils sont morts, les pieuvres, du coup elles continuent. Pardon Harry, je suis désolé. Il faut que je tue les poules, j'avais pas compris. Les poules, les poules. Oui, j'ai confondu ça avec des poules et du coup maintenant j'arrête pas de dire poules. Qu'est-ce que c'est que ça?
D'accord. Il faut que je tue des pieuvres, s'il vous plaît, plus de pieuvres. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ok. Bonjour, vous allez bien? Je pense que notre plan a échoué. Ah non, il y a un squelette. Ah non! D'accord. Je ne sais pas pour quelle raison j'ai fait ça, mais bon. Il doit y avoir une raison valable. Ah. C'est pour casser la machine. Je vous demande pardon. D'accord. Pas de problème. Où est le marteau? Ok, il est là. Je vais casser ce truc. Non mais... Putain, j'ai perdu le marteau. Ah non, ça va, il est là. Elle pue. Elle pue. Non mais, vas-y wesh. Non mais, allez. Fais quelque chose. Non mais... Ron, putain, t'es trop con. Et même quand tu manies un marteau, t'es trop con. Ron, merci. Adorable. Ah déjà? Ok, bon. Envole-toi. Envole-toi. Ah mon dieu. Je ne suis pas censé être dans cette scène, mais c'est pas grave. Enfin si, mais pas dans les mêmes conditions. C'est un ego, hein, on peut faire son... Oui, parce que Harry vient de mettre, de faire un zip sur son gilet en laine. Là où il n'y a pas de zip, tout à fait. Je suis l'effet sonore. Pourquoi HUHUH? Ah oui, je vais devoir HUHUH. Je vais devoir lui dire des trucs pas très très... pas très très Lego, hein. Pour qu'il s'ouvre. Je vais devoir dire ouvre-toi en... Non mais non, Ron. Putain, Ron, t'es trop con. Maintenant, Ron ne peut plus faire de Lumos. Maintenant, il a un briquet, donc il peut plus faire de Lumos. Putain. Quel trou du cul. Non, maintenant que j'ai un briquet magique, je veux faire que des Lumos. Et tant pis si j'ai plus de d'essence dans mon briquet. J'utilise toujours pas de Lumos. Parce que je suis un teubé. Excusez-moi, oui. Je ne sais pas ce que je dois faire. Donc je vais casser cet arbre. Parce que j'aime bien faire ça. Parce que ça récolte de l'argent. Ça donne de l'argent surtout. Alors là, il y a une tente. J'espère juste que c'est pas le campement. Parce que moi, dans mon monde, on a fait tout le tour en fait pour arriver ici. Donc j'espère pas qu'on a fait tout le tour pour rien. Ou alors la biche était vraiment une connasse. Décède. Ici. Ron, j'ai besoin de toi. Oui, Ron, j'ai besoin de toi. Je sais, c'est très rare, mais là, j'ai besoin de toi. Merci, Ron, pour cet objectif totalement secondaire. Ron, tu ne seras rien. Defendo. Une lampe torte. Est-ce que c'est une lampe torte? Non, pas du tout. C'est une trompette. Non, c'est une... C'est Superman. Non, c'est juste une torche. C'est pas une lampe torche, c'est une torche. C'est une torche. D'accord. Pas de problème. Olaf! Merci Olaf. Oui, parce que je veux Ron en caleçon, c'est très très important. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de personnages? Je sais pourquoi est-ce qu'il y a autant de personnages. Pour faire genre, vous avez vu? Ah non, il n'y a pas là. Il n'y a pas. Genre dans le menu, c'est marqué, oui, il y a 200 personnages à collectionner. Et en fait, il devrait mettre en sous-titre, dont Ron en caleçon et Harry en tenue hiver. Si, ma gueule. Alors, on a besoin d'Hermione, évidemment. Des personnages que j'ai toujours voulu jouer, hein. Est-ce qu'on a Dumbledore chemise de nuit? Je le veux, moi. Moi, je le veux. Je suis prêt à payer un DLC pour ça. Je suis sûr qu'il y a un DLC pour ça. J'ai pas fait exprès. Voilà, je vais être un petit peu moins rapide, non? Parce que le jeu
est une mamie, hein? Voilà, pardon pour toutes les mamies. Waouh! Quel effet surprenant! Des particules hors du commun. Salut! Oula, oula, non, trop d'effets, trop d'effets! Il faut l'épée! L'épée! Où est l'épée? Ron est définitivement con. Ah la 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 la. Eh tiens! Est-ce que tu aimes ça? Alors, est-ce qu'on a... Ah non, on n'a pas Ron avec l'épée. Moi, je veux Ron avec l'épée. Hein. Les araignées! Ah non, il peut pas, il peut pas. C'est trop pour lui. C'est trop pour lui. Non mais arrête, pas la torche, pas la torche. J'bou. Jou. Non mais je fais quoi avec ces araignées, moi? Décède. Ron décède aussi. Pourquoi est-ce que tu prends l'humo? Ça sert à rien. Ron, t'es, Harry, t'es trop con. Bon, Harry est définitivement con. C'est bon, c'est juste des araignées, hein. Ça va. Tu sais que c'est pas réel, puis basta. Oula. Nous sommes à poil, c'est un jeu Lego. Nous sommes à poil, mais c'est un jeu Lego. What the fuck? Non mais s'il te plaît, Harry, t'es trop con, là. Il y a surtout Voldemort là qui fait des tournicoutis, je sais pas ce qu'il fait. Je suis Voldemort et je suis trop con. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Par le pouvoir de l'amour. Oui. Gameplay de l'année. Vas-y Ron, on peut y aller. Vas-y Ron, défonce Voldemort. Non. Il ne se peut, cela ne se peut. Hein? Hey. Ça vous voyez, ça c'est mon émotion quand je bats un boss sur Dark Souls. C'est magnifique. Donc. Harry, médaillon, Ron, caleçon, Hermione, sous-vêtements. Bon, allez, c'est fini? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Brique dorée, je vais m'acheter de la coke avec ça. Pendant ce temps, Hermione se remet de son traumatisme crânien. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont pétés des vertèbres ou quoi? ça voulait dire Hermione iPhone, bonjour. D'où sors-tu cette photo? Je ne veux pas savoir. Il faut aller dans le ciel, c'est ça? C'est ce que j'ai compris, moi. Il faut aller dans le ciel. Donc, il faut pas Ron pour un truc là-bas, ici? Ah si, il fallait Ron. C'est ce qui me semblait. Tic tic tic, allez. Je me balade, dégage l'araignée. Je suis censé avoir la phobie des araignées, mais c'est pas grave, hein. Je passe. Je pense. Oui. Qu'est-ce que tu fous de derrière notre tente? Je ne sais pas. Au revoir. Ah putain. Ce jeu est génial. Bon, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Que vous abonnerez à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Mettre un like, de partager sur les réseaux sociaux. Moi, ça m'aiderait beaucoup. Hein, le blabla habituel. Comme on dit, c'est quoi ces conneries? Il y a un aigle qui vole. Je vous demande quel est le fuck. Il est parti, hein, donc c'est pas grave. Moi, je vous dis salut à tous. Je vous vois dans la prochaine vidéo. Si la portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde. Ciao, ciao. On va juste regarder ce que Hermione nous propose dans son petit sac. Il y a plein de trucs qui volent, mais je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Hermione, ton sac est juste génial. J'adore ton sac. Je l'adore. Bon. Ciao, ciao!